Salut à tous et toutes. Tout simplement pour vous dire aujourd'hui que je pars en vacances d'ici 2 heures. Et tout simplement, je vais vous expliquer comment moi je vais m'organiser pour mon départ en vacances avec mes reptiles. Donc moi, comment j'ai fonctionné tout simplement, j'ai fait une liste ici qui est sur le côté de chaque terrarium pour tout simplement que la personne qui viendra nourrir mes reptiles et sache qu'est-ce qu'il faut faire durant les 2 semaines que je vais partir. En l'occurrence, ce sera ma petite maman, et donc j'en profite pour faire cette vidéo pour lui montrer en même temps quel entretien faire en même temps que les insectes. Donc voilà, j'espère que ce sera complet pour toi, en tout cas maman, et en même temps pour vous, pour vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné. Si vous avez quoi que ce soit comme conseil ou des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, j'y répondrai. C'est pas parce que je suis en vacances que je ne répondrai pas à vos questions. Donc on passe tout de suite aux étapes par étapes de chaque terrarium. Ah oui, aussi quelque chose, vous allez me demander comment ça se fait que tes insectes vont rester en vie pendant 2 semaines. Tout simplement, j'ai gélifié de l'eau. Et c'est grâce en gélifiant de l'eau que moi j'obtiens de bons résultats. J'ai fait mes tests avant de partir en vacances, de voir si c'était possible que les insectes restent en vie avec de l'eau gélifiée et de la nourriture pour poissons. Donc voilà. Donc maintenant on peut passer étape par étape aux vidéos. Salut, à plus. Allez, voici celui de Pixel. Comme je te l'ai expliqué, ici il y aura une liste de ce que tu dois faire. En gros, ce sera arroser les plantes, remplir le réservoir, dégeler les cubes de fruits pour les mettre dans le petit pot. Et pour les insectes, à chaque fois, sur chaque étape, j'ai mis des infos. Par exemple, pour remplir le réservoir, moi j'ai bien dit de bien vérifier le tuyau en dessous pour éviter que ça pulvérise rien du tout. Alors, on va commencer l'entretien du terrarium, tout simplement. Comme je te l'ai dit, je viens de le faire, mais je vais le refaire devant toi. Tout simplement, les tilantias, les bromélias, un petit peu le sol, un petit peu le sol près de la racine. Voilà. Alors, ensuite, tout simplement enlever la boîte où il y avait les insectes, la mettre sur le côté. Et il faudra bien remettre sur le côté les autres insectes. Donc tu vois bien que ça ne saute pas, pas d'inquiétude. Bien à côté de la racine pour que Pixel puisse aller dans la boîte manger ses crayons. S'il y a encore des insectes, n'hésite pas à enlever la boîte et remettre le couvercle et le remettre au-dessus du terrarium. Donc pas de souci. Voici les insectes qu'il y aura pour lui manger dans le terrarium. Alors, concernant le réservoir d'eau, donc sur le côté, il y aura une bouteille. Tu ouvres la boîte, tu décales, toujours à faire attention au tuyau. Tu décales et tout simplement, tu mets l'eau. Hop. L'eau par ici, tout simplement. Normalement, tu devras pas beaucoup le faire, mais c'est vraiment par souci. Voilà, normalement, tous les 3 jours, une petite bouteille d'eau, ça fait pas de mal. Mais là, je vais la remplir au maximum, comme ça, pas d'inquiétude pour toi. Après, tu refermes le couvercle. Des deux côtés. Voilà, c'est tout ce que tu vas faire pour Pixel, donc n'aie pas peur. Là, il n'y aura pas de soucis. Alors, pour moutarde, tout simplement arroser les plantes légèrement. Donc, ce sont des tilantias, donc pas besoin de les arroser tous les jours. Pour les insectes, ça va être la partie la plus délicate pour toi, j'y reviendrai par la suite. Alors, changer la gamelle d'eau, comme je te l'ai montré, tous les jours, maximum tous les 2 jours. Humidifier la boîte à mu, si elle est dedans, normalement si tu vois sur le côté, ici tu vois en général si elle est à l'intérieur, il faudra humidifier l'entrée de la boîte, au moins pour qu'il y ait un minimum d'humidité. Et alors, ramasser les excréments avec la pince. Donc la pince, elle se trouve juste au-dessus. Donc avec ceci, je vais te montrer. Alors, donc les excréments, c'est vraiment cette partie-là. Tu vas avoir le remarqué, n'aie pas peur. Donc tout simplement,
tu les prends avec la pince et tu les enlèves et tu les mets dans la poubelle qui sera sur le côté. Hop. Voilà. Donc ça c'est pour les excréments. Alors, pour l'arrosage des plantes, tout simplement le même humidificateur. Voilà, tout simplement, pas plus. Ça sera vraiment pas énorme. Alors, si tu veux savoir s'il est dans la boîte à mue, tu regardes sur le côté ici. Normalement, tu vois si elle est dedans ou pas. Dans la petite boîte là-bas, dans la petite cachette, tu le vois mieux en vrai. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas là ni là. Ça veut dire qu'elle sera à l'intérieur. Donc, comme ceci, tu viens par devant et tu humidifies un maximum, mais juste le devant. Parce que je sais que tu as peur, donc n'hésite pas. Ne mets pas directement le jet vers l'intérieur sur le reptile, ça c'est très important. Donc voilà. Concernant les insectes, ce sera plutôt la partie un peu plus délicate. Donc ici, les insectes sont dans les boîtes ici. Donc là, je leur ai donné à manger et à boire. Maintenant, pour que ce soit plus facile, moi j'aimerais bien que tu les mettes dans le terrarium. Et donc, tu ouvres la boîte comme ceci, donc c'est prévu. Donc tu touches pas les insectes. Comme tu peux voir, tu touches pas les insectes. Et tu viendras, donc tu les secoues. Donc tu vois bien que tous les insectes seront là. Et tu les mets dans le terrarium. Si ça ne va pas, bah, tu déposeras tout simplement les insectes directement la boîte en diagonale pour que les insectes puissent sortir. Pour faire un petit coucou à Moutarde qui se demande qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, en gros, c'est ce que tu vas devoir faire. Donc comme je te l'ai expliqué pour le petit Yulang, ben, tout simplement il est en hibernation. Donc ce que tu vas devoir juste faire, c'est changer la gamelle d'eau tous les jours avec l'eau du robinet. S'il sort d'hibernation, ben, tout simplement, tu mettras des légumes dans la coupelle et qu'il faudra enlever tous les jours, mais seulement si tu le vois se promener dans le terrarium. Et comme je te l'ai dit, le petit coco, je sais pas si on va le voir, le petit coco est en train de dormir juste à cet endroit là donc il faudra juste attendre la fin de l'hibernation pour le voir. Donc merci.